s'est arrangé. Faut le faire, faut le faire. Ouais, moi aussi, j'ai envie de le voir. C'est un peu beau, mais... Bonjour Régine! C'est celui-là qui voulait me tuer là! Là, franchement, c'est un piège à question. C'est l'électricité pour. Ben, Jean-Mi s'est pas réveillé. Ah, donc, déjà 2h de retard. En bouteillage sur Nantes. On se les est pris. Rennes s'est passé bien, non? Pardon? Rennes vient passer? Ah ouais, j'étais à Nantes. Non. Après, après Rennes. J'ai fait Rennes. Ah ben là, on est. Moi, je suis resté bloqué à Caen. Ah non, nous n'a pas. Après, ça dépend de l'heure. Ouais, je suis au voyage. Bah, il commence à faire. Bah, il fait beau. Hein. Il fait beau, hein. C'est plusieurs ce matin. Bah, Dès que tu marches un peu. Et en plus, c'est vendredi, on va partir. Il a fallu que je trouve un garage qui accepte de me siphonner le réservoir. Ah ouais, d'eau, ouais. Pour aller me remettre 800 euros dans le réservoir de gasoil. Michel, c'est pas mal. Je m'arrange avec. Alors j'ai vu à la Mutio, parce qu'il y a un pote qui aménage le camping-car, donc le car, un serveuriste. Je dis bon, tout s'arrange, il m'organise un rendez-vous avec le car, je lui montre le canon, et puis je me repasse. C'est 80 euros un bac, hein. Ouais, entre 80 et 100 euros. Ça dépend la gueule du bac. Après, oui, non, mais il va falloir démonter, j'ai peur. Tu vois, c'est pas comme ce que j'avais avant. Moi, j'avais un Iveco, ou alors quand je jouais à camping-car, mais l'Iveco, on avait des citernes juste soudées, glissées en dessous. C'était des citernes en zinc à l'époque, vous avez donc les zincs alimentaires. Ouais. Donc, c'était ça, donc il n'y avait pas de problème. Et on pouvait le vider, on les engeait. C'est là, bah, je vous jure, c'est pas grave. On va mettre de la pression là-dedans, ici, c'est pression, la vache. Mais c'est pas comme ça. Et dans notre malheur, on a eu de la chance. Tu mettais un caca nerveux avec les essuie-glaces. Ouais, parce qu'on a été sur l'autoroute. Parce que dans ces cas-là, on n'avait pas accès à la rue secours. Il fallait tout décharger. Oh. Tu vois, comme quoi, dans le malheur, dans t'as le toujours malheur, un peu de trucs. Bon, ben, en fait, c'était bien qu'on soit crevé chez Citroën. Et en fait, à pneu neuf. Hein. Ah ouais, non, mais de toute façon, ça t'arrive. Mais ça, c'est de, tu sais, Michel, il le met derrière le jardin, là. Et puis, t'as une butte à monter en béton. Et lui, qu'est-ce qu'il a mis pour mieux passer, pour que ce soit plus, il a mis un poteau en béton. Lui, il bouge. Et je pense que c'est là. Tu crois que c'est ça, l'impact? Bon, mais tu sais, quand tu roules... Ça l'a passé. Non, ah oui, parce que quand tu roules à 80 et que tu passes dans un nid de poule, même s'il fait que ça, tu sais que le pneu... Ah ben on s'est retrouvé avec une fente, juste au ras, tu sais, du pneu. Mais s'il est neuf, c'est un Michelin, c'est cool. Oui, neuf. Ah ben un Michelin, normalement, il touche pas. Ah ouais, mais bon, là... Oui, il a passé pas trop quoi. Là, c'est un Citroën. C'est normalement, le mec... 260 euros, allez, entre les essuie-glaces. Ouais. Et puis le pneu neuf à l'avant. Le pneu neuf et la main d'œuvre, ouais. Et voilà, 260 euros, quand même. Mais bon, on n'avait pas le choix, hein. Ben, nous, on est arrivé à 75. On partait, parce qu'on fait partie de Saint-Lancelot. On partait vers un canal avec eux, devant la maison, tout de gasoil. Moi, je passe devant le camion, je dis, putain, ça sent bien le gasoil. J'ouvre le gasoil. Oh là là. Heureusement, ça nous arrive de demander. Le filtre gasoil. J'ai fait 4 km, j'ai bouffé presque la moitié du réservoir.
Oh la glande. Ah, je te dis que ça... Ah, ça dépend. Ah, ici, c'est un camion, là. Ah, ouais. Avec pareil, 200 euros. 250 euros, par mille. Ah, la pièce a changé. Maintenant, du coup, le week-end, Ah, oui, c'est la maison. C'était un vendredi soir, le garage fermé. Il nous dit, bah, viens le matin. Finalement, tu as changé la pièce. Donc, le samedi matin, il l'avait pas. Il est que lundi. Ah, nous, on a eu ça quand on revenait de Marseille. Quand on revenait de Marseille. Voilà, exactement. C'était avec la 407. Là, j'avais la 407 qui traitait la romance. Donc, on se retrouve en panne sur l'autoroute, juste à côté d'une sortie. La van GR. Je ne sais pas ce que c'est qu'une van GR. Mais si la van GR est morte, ça ne fait rien. C'est fini, tu peux te rouler, terminé. Bon, j'ai pas là, j'ai vu le soleil. Ils sortent la voiture. On la met sur un parking.